parle un peu d'amélioration progressive dans les applications web, donc principalement JavaScript. Et le but, en fait, ça va être de créer un seul code qui soit utilisable sur tous les navigateurs. Donc pour cela, je vais vous présenter deux techniques qui sont les polyfills et la transpilation. Donc déjà, je me présente, je m'appelle Alexandre Barbier, je suis développeur front, je travaille chez Sphere. Et vous pouvez m'envoyer des tweets, live tweet à la 13, n'hésitez pas. Okay, donc je vais commencer dans un premier temps par la compatibilité entre les navigateurs et poser la question, quelle stratégie de support on devrait adopter aujourd'hui pour les nouvelles applications web? Et je vais commencer par une super nouvelle, c'est la fin du support en IE7, IE8 et le 10 janvier, donc c'est vraiment bientôt. Et c'est un gros effort de la part de Microsoft, parce que d'habitude ils supportaient les IE en 10 ans, et là ça sera 3 ans pour le 10. Donc c'est vraiment cool, ça nous permet d'utiliser les meilleures techniques. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Douglas Crawford, qui a dit que le développement front-end c'était l'environnement de développement le plus hostile du monde. Voilà, donc quel browser on doit supporter? Donc principalement les browsers sont qualifiés evergreen, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mettre à jour automatiquement. Donc, c'est-à-dire tous les Firefox, les Google Chrome que vous connaissez, ils se mettent à jour automatiquement sans même qu'on s'en rende compte. Ce qui permet d'avoir des features qui vont se mettre à jour et d'adapter notre stratégie de développement en se disant bah, si les features ne sont pas présentes, on espère qu'un jour elles le seront. Et donc on va pouvoir contribuer à patcher ça, et une fois qu'il n'y aura plus besoin, on enlèvera le patch et ça ira tout seul. Donc il faut aussi prendre en compte quels sont vos users pour savoir quel browser vous allez supporter. Parce que ça peut varier par exemple selon les pays, selon si vous allez supporter le mobile sur votre site web. Voilà, parce que vous pouvez avoir différentes versions, une version mobile, une version desktop. Ça arrive dans les grosses boîtes. Il faut vous souvenir surtout que les choix que vous allez faire dans votre stack, ça va, enfin, dans votre support de navigateur, ça va très fortement impacter votre stack. Parce que ça va limiter votre choix de framework, de version de framework, et peut-être quelles fonctionnalités vous allez pouvoir utiliser. Donc, comment on devrait tester sur tous ces navigateurs? Donc, déjà, la première chose à faire, c'est quand vous allez commencer à développer, c'est d'aller vérifier sur camelus.com si la feature que vous souhaitez utiliser est disponible sur le navigateur. Donc, avant même de commencer à écrire une ligne de code, déjà vérifier. Même si vous êtes sûr, surtout si vous êtes sûr, bien vérifier, c'est bon, surtout dans le navigateur cible, c'est OK. Il y a trois statuts sur Gamayuse, il y a vert, c'est OK. Rouge, pas bon, pas du tout disponible. Et vert, un peu kaki, là, ça veut dire qu'il faut faire gaffe. Il y a peut-être des préfixes à ajouter, il y a une arnaque dans le contrat pour les réutiliser. Voilà. Et surtout, chaque développeur devrait tester sur différents browsers, différents devices chaque jour si possible. Il y a des outils comme BrowserSync qui peuvent vous aider à faire ça en ayant votre application ouverte sur plusieurs navigateurs et en faisant les actions sur un seul, ça va faire les actions sur les autres. Donc ça vous permet de tester plus facilement. Ok, donc maintenant je vais vous parler des polyfills qui vont permettre de répondre à la question comment on fait quand on a un problème de compatibilité navigateur en JavaScript. Donc déjà, sous quelle forme ça peut se manifester un problème en JavaScript? Donc il y a deux. Il y a deux traces classiques dans Stack Overflow, canotrain property OpenDefine, ou OpenDefine is not a function, vous l'avez peut-être déjà vu. Et si ça vient de votre code, c'est que vous avez un problème dans votre code, mais ça peut être sur des propriétés natives, par exemple des arrays ou autres. Donc dans ces cas-là, il faut utiliser un polyfill. C'est la meilleure façon de résoudre le problème. Qu'est-ce que c'est qu'un polyfill? C'est répliquer une API en utilisant le JavaScript si le navigateur ne l'a pas nativement. Je vais vous montrer un exemple de code. Donc ça, c'est sûr, vous n'allez pas pouvoir le lire derrière, mais c'est pas important. Ce que je voulais dire, c'est qu'un polyfill, ça se fait en deux parties. Il y a la partie détection. Donc ici, on peut voir que c'est un polyfill pour la méthode filter des objets array. Donc en gros, on détecte si la fonction filter n'est pas disponible sur le navigateur. Et si elle n'est pas disponible, on va implémenter une version qui va répliquer le comportement. Alors, je vais vous parler d'un petit problème que j'ai eu dans une vraie application et au coup, ça a nécessité d'utiliser un polyfill. Donc, j'appelle une méthode toggle sur une class list, en fait, qui va permettre d'ajouter ou d'enlever une classe, un élément HTML, en fonction d'un deuxième paramètre qui est un booléen.
Donc sous Chrome, ça marchait nickel, impeccable, et là on passe sous IE et c'est le drame. Les animations ont bougé dans tous les sens, on ne comprenait plus rien. Et du coup, on va vérifier sur CanIUse, et là on voit que IE11 était en espèce de jaune. Voilà, et la raison du problème, en fait, c'était que la fonction toggle ne supportait pas le deuxième paramètre qui était en boolean. Donc du coup, la paradoxe, c'est de rajouter le qualifier dans un script, d'inclure le script tout en haut de préférence pour qu'il soit disponible dès que le JavaScript est utilisé. Et ensuite, on est bon, il n'y a plus de risque d'avoir ce problème de compatibilité. Mais on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passerait si on essaie de régler le problème d'une autre façon? Donc on peut se dire, bah, tant pis, je vais élever le deuxième paramètre booléen, après tout, je vais implémenter un if, c'est assez simple. Et puis après, on peut se dire, mais c'est un peu dommage quand même, on avait la fonctionnalité qui était bien. Donc on va tester le navigateur, par exemple, avec le user agent. On va tester ces IE, là on va mettre notre méthode dépréciée. Sinon, on va utiliser la méthode classique qui marche bien. Et on voit qu'on va très vite arriver à du code compliqué, difficile à tester, difficile à maintenir, difficile à réutiliser. Et vous risquez de vous faire retirer votre licence de JavaScript et d'écrire des pyramides de la mort. Donc ajouter absolument, utiliser un qualifier, c'est plus simple. Ça marche mieux. Donc maintenant, je vous pose la question, est-ce qu'on peut utiliser toutes les fonctionnalités du JavaScript récent? Donc je pense surtout à l'ES6 ou à 2015, donc, qui a été standardisé en juin dernier. Et est-ce que les qualifiers suffisent pour l'utiliser? Bah, la réponse est non, malheureusement. On va devoir utiliser un nouveau concept qui est les transpilers. Donc qu'est-ce que c'est qu'un transpiler? C'est tout simplement un outil qui va permettre de convertir à partir d'un langage vers un autre langage de programmation. Donc dans notre cas, ce qui nous intéressait, ça sera plutôt de convertir vers de l'ES6 vers le S5, la version que les navigateurs peuvent utiliser. Mais il y a plus de 266 langages qui compilent vers du JavaScript. Donc ça peut être intéressant de se pencher là-dessus. Par exemple, rien qu'en Python, il y a plus d'une dizaine de langages ici du Python, donc d'outils pour compiler un JavaScript. Donc il y a un repo GitHub qui est très marrant, qui liste toutes ces versions. Et c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'utiliser des concepts qui sont dérivés des langages plutôt fonctionnels, donc d'appliquer de pouvoir utiliser dans le navigateur des concepts sympas qui ne sont pas disponibles nativement dans le JavaScript. Mais surtout, ça va nous permettre d'utiliser le S6. Donc ici, je vous ai mis à droite ES6 Shim, donc qui est un ensemble de qualifiers pour essayer d'implémenter les fonctionnalités de ES6. On peut voir que malheureusement, il n'y a que 17% de l'aspect ES6 qui est implémentable en qualifier avec ES6 Shim. Alors que si on utilise Babel, on peut l'utiliser jusqu'à 71% parce que ça va vraiment faire de la transpilation, donc prendre votre code et écrire en ES6 et le réécrire en ES5 pour que ce soit OK pour les navigateurs. Donc le meilleur transpiler actuellement, c'est Babel, qui est listé par la communauté. Donc il y a la plupart des features ES6 qu'on a vu, 71%. Et en fait, il y a déjà plusieurs features de ES7 qui sont déjà implémentées dans Babel, donc ça nous permet d'expérimenter et d'être en avance. Et ce qui est intéressant avec Babel, c'est que tout le monde peut l'utiliser en production et devrait l'utiliser en production. Parce que même si tout votre code n'est pas encore écrit en ES6 et qu'il n'y a qu'une partie que vous voulez utiliser, bah c'est pas grave en fait, parce que ça va transpiler et ça va créer du code de ES5 de toute façon derrière. Ici, je vous ai mis une liste d'outils qui sont utiles et d'articles qui sont sympas si vous voulez un peu approfondir le sujet, vous n'avez pas énormément de temps. Et qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le S6 et tous les avantages que ça peut apporter. Et bah écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Petite question sur la gestion du système de...
Sinon, attaque les questions. Allô? Moi, c'est une petite question sur... répète les questions, vas-y, pose ta question, voilà. Donc, c'est une question sur donc, le label et la question de comment on assiste un produit et le module, comment il... Enfin, si c'est supporté directement par label ou pas, dans le cas de contexte. Ok, donc la question, ça porte sur Babel et la gestion de Babel et la gestion des modules de 6. Ok, bah, alors en fait, moi j'utilise Babel avec Roseroy File, en fait, derrière, donc ça va être du CommonJS qui va être généré derrière. Donc après, tout dépend du système de module que tu vas utiliser, mais en vrai, c'est possible déjà d'utiliser le système d'un ordre de module et c'est vraiment très pratique. Utiliser pour inclure des fichiers HTML ou JS. Question. Alors, après ce que j'ai vu, ma mère, en fait, c'est que directement modifier ton code en fonction de ce que tu as utilisé avec comme JS. Ouais. Mais est-ce que c'est possible de filtrer le nombre de modifiés que tu utilises en fonction du browser que tu utilises? Qu'est-ce qu'on a? Nice! Il faudrait voir à les moderniser, en fait, s'ils pourraient détecter ce dont il y a besoin et les charger au chargement. Après, c'est pas super long non plus de polyfill. A priori, non, hein, parce que le but de Babel, c'est de compiler en fait avant et de ne pas faire la compilation à la volée. Je pense que tu as dans la tête ce qu'ils font sur PostCSS avec AutoProfixer notamment, où ils vont voir sur justement qu'on a use ou qu'est-ce qui est supporté, et en fonction de la liste que tu vas donner de support, ils calculent les trucs automatiquement. Là sur le JavaScript, c'est assez compliqué, et a priori, ils le font pas. Tu as les choix de modules, est-ce que tu veux supporter ou non dans Babel. Par contre, je crois que tu apportes tout le package OS 2015 d'un coup, il me semble pas qu'il est découpé de manière très très fine. Par contre, si tu veux pas de l'async, tu peux décider de ne pas utiliser async, et donc tu n'as pas le module async. Maintenant, ils ont vraiment modularisé Babel. Je pense que l'objectif, c'est qu'ils aillent vers ça progressivement. Mais à l'heure actuelle, le but de Babel, c'est vraiment de compiler à la phase de plus sans poser de questions de manière bonne. D'après ce que j'ai compris, moi, de Babel, il te permet d'utiliser des nouveaux keywords qui peuvent apparaître dans les prochains ES. Par contre, il considère que toutes les méthodes sur les objets sont censées être implémentées par le navigateur. Il ne va pas les polyfiler par défaut. Ça va être à toi d'ajouter ton polyfill.js dans ta page pour que le navigateur, lui, puisse l'interpréter. C'est ce qu'ils utilisent. Ouais. Dans ce cas-là, tu te récupères tout, je pense. Je ne sais pas comment tu fais exactement. Attention, tu t'es perdu. Est-ce que tu fais du monitoring sur tes erreurs JavaScript et donc comment tu vas déveiller du code qui a été généré avec un compiler? Ok, donc la question c'est l'utilisation en prod et comment déveiller du code généré avec un compiler. Alors en prod, tu as plusieurs trucs pour si tu veux déveiller, comme JavaScript. Les erreurs JS, c'est
sémantique de trouver qui supporte le sourcing, en fait, le mapping des sources, le code unifié, donc c'est un petit peu plus de culture.